Bon, c'est déjà la troisième fois que ça nous arrive que cette lumière orange du filtre diesel elle s'allume. Et on pensait qu'on avait résolu le problème, mais il continue à s'allumer. Il y a de nouveau beaucoup d'eau qui sort. Hein. Peut-être on a vraiment un diesel qui a été coupé avec l'eau. Hein. Je ne sais pas. Hein. Je vais prendre un bac parce que sinon tout ça descend. En bas, parce qu'en fait, si là je l'ouvre, il faut que je mets un petit bac en bas pour récupérer l'eau. Et si je ne le récupère pas, ça descend tout dans le moteur et c'est un peu un mélange entre eau et diesel. À mon avis, le diesel qu'on a rempli, ben, il était coupé où il y a eu beaucoup d'eau dedans. Donc en tout cas, ben, c'est bizarre parce que ça fait pas longtemps qu'on a fait. Alors on essaye encore une fois. Ouais. Donc on va essayer d'aller quelque part et faire ça. Exactement. On va voir combien d'eau va ressortir. Mais s'il y a beaucoup d'eau qui ressort, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un mauvais remplissage de diesel. Bon, on va profiter qu'on a fait les courses pour se faire un petit sandwich et après on continue la route. Ça a l'air très bon ça. Non, mais ça va être très bon. En fait, on se dirige vers un volcan qui s'appelle Vajotsar et apparemment il y a un petit chemin et on pourrait monter jusqu'à nous. Je ne sais pas si en voiture ou à pied, mais on va découvrir ça. Ça, c'est vraiment la preuve du recyclage réussi. Un grillage avec des anciens radiateurs, c'est quand même magnifique. Ça, il fallait voir l'idée hein, pour ça. En plus, c'est joli. Hein. C'est tout rouillé, mais c'est joli. Et en fait, on vient de parler de clôture un peu originale, type recyclage. Donc là, il y a un autre exemple. Donc juste derrière moi, ici, tu vois une sorte de mini-champ qui est clôturé avec... des vieilles carrosseries de voitures. Je vais te montrer ça un peu plus zoomé. Attends. Vu la montagne qu'il y a là derrière, on est déjà arrivé. C'est le volcan Vajotsar. Et bah, il fait autour de 2581 mètres d'altitude, si je ne me trompe pas et je me rappelle bien. Et c'est qu'on va faire maintenant, on va monter en haut pour voir les cratères. Et voilà, il fait un peu plus froid, ça on le sent déjà. Mais d'ici jusqu'à là, il y a autour de 126 mètres de dénivelé. Donc c'est pas grand chose, mais on sent déjà qu'il fait froid. Moi, je me suis déjà mis la veste. Et alors David, tu es prête? Je suis tout à fait prêt. Prêt de prêt. Prêt de prêt. Bref, on va monter. Ah, vite. On va monter ce volcan. Je suis trop curieux de voir comment ça se présente en haut. En fait, il y a une route pour monter en voiture, mais elle est un peu défoncée. Ça se voit pas, mais... En tout cas, on voulait marcher aussi un petit peu, donc ça nous va très bien. C'est la première fois que je vois des tulipes sauvages. Je sais pas, t'as déjà vu ça? Non, mais en plus dans un volcan. Et en plus dans un volcan. Alors peut-être justement, ils poussent sous des volcans, mais bah oui. Jamais vu ça, des tulipes sauvages. Mais elles sont très belles. Elles sont belles, hein, tout rouges comme ça.
Bon, j'ai dit qu'il faisait froid, mais je suis complètement transpirée. C'était la montée, c'était raide, mais on y est, on y est, on y est. Ça, c'est un vrai cratère. Comme tu imagines, c'est un vrai cratère. Waouh! La dernière éruption, c'était en 735, il y a David qui est en train de me le dire, 735 avant ou après? Après Jésus-Christ, c'est ça que ça s'est dit comme ça? Bref, tout ça pour dire qu'il fait longtemps, qu'il ne marche plus. L'autre côté du cratère, c'est 500 mètres. Donc en fait, il y a un diamètre de 500 mètres, ce cratère. Ah ouais? Ce qui est quand même considérable, non? Ouais. Non? Moi, je trouve ça grand. C'est énorme, ce truc. C'est un gros trou. Oui. Oui. Et... Ah, pardon. Et ce qui est assez particulier ici, c'est qu'en fait, il y a une route, bon, on va dire un chemin, mais un chemin où tu peux passer en voiture en 4x4 qui va tout autour du cratère. Bonjour, le volcan il est là, la Willy elle est là, et c'est ici on se réveille. C'est pas magnifique, la couleur, waouh. Mais on part, oui on va partir. Mais avant de partir, on va encore une fois checker les petits soucis qu'on a avec les filtres diesel. Parce que voilà, comme on vous a déjà dit, bah, c'est la troisième fois que ça nous arrive. Et donc, je sais pas, on va essayer de les vider encore une fois et voir si on voit, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Bon, pour une prochaine, je vais peut-être devoir démonter ou ouvrir vraiment le filtre à diesel pour voir s'il y a quelque chose dedans, ou je sais pas. Mais vu qu'on a fait un service où ils ont changé le filtre à diesel, ben, je pense que ça devrait être OK, mais... On va peut-être contrôler parce qu'on a déjà eu des expériences dans des garages où ils n'ont pas fait les choses comme il fallait faire. Ouais. Le plaisir de faire des routes comme ça. Oui, surtout, en fait, c'est vraiment la première fois en Arménie où on est vraiment seul, seul. On est dans un endroit où on n'a croisé personne. Donc il y a plein de petites routes que tu peux passer et c'est tout vert autour et il n'y a pas un village, rien. Donc c'est magnifique, c'est... C'est vrai qu'on dit toujours la même chose, mais ça, c'est un cadeau de la nature, ça. Ouais, et ce volcan, vraiment, il est aussi, et même de ce côté-là, il est tellement beau. Ça va. On est déjà dans une nouvelle région, ça s'appelle la région de Siyunik et c'est la dernière tout au sud de l'Arménie
Après celle-ci, il y a déjà l'Iran en bas. Et voilà, elle est... C'est très différent. Elle est très différente, mais aussi ouverte, comme on était juste avant. Très raide, mais c'est un haut plateau. Je pense, je ne sais pas combien de mètres, mais je pense qu'on est très haut. Et c'est des petites montagnes, plats comme ça. Et il y a la route qui traverse, en fait, je pense que c'est l'axe principal vers le sud-est, donc vers l'Iran. Donc du coup, il y a beaucoup de camions. Beaucoup, beaucoup de camions. Des camions de l'Iran, mais des gros, gros camions. Donc il faut faire un peu attention. Ouais. Des fois, il y a des trous dans la route. Il faut se dévier, vous. Mais ouais, bon, on va connaître cette région. Ouais, en tout cas, c'est assez impressionnant parce que là, c'est tout plat et à droite et à gauche, il y a des montagnes. Gros plats comme ça, vraiment assez imposant. Oh, Neus. Alors, on est bien là? C'est un spot parfait, c'est magnifique. Non? Ouais. Bonjour, nouvelle journée dans ce magnifique spot. David, dis bonjour! Salut! Waouh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est jaune, vert, il fait beau. Ah. Bref, qu'est-ce que je peux te dire? Regarde, cette église, c'est ça que je vais te dire. Tu la vois là? En fait, c'est une église du 16e siècle et elle a une histoire très particulière. Tu viens avec moi pour raconter l'histoire de l'église? Claire, on va voir ça. Allez, viens. Bon, c'est quand même assez impressionnant. Quand on est arrivé, on savait pas, hein, il y avait une sorte de tas de pierres. On avait dit que, je sais pas, c'est une sorte de carrière. Et on s'approche et après, on voit, bah, c'est une église. Et en fait, c'est une histoire très particulière. On a lu sur un peu là-dessus. Et en fait, c'est une église du 16e siècle. Et en fait, dans les années 70, ils ont construit ce barrage. Et en fait, cette église, elle a été inondée. Et du coup, elle est inondée depuis une bonne quarantaine d'années. Et du coup, c'est ça les résultats, parce qu'elle était sous l'eau. Et là, en fait, les lacs, il a moins d'eau. Et donc, du coup, il a réapparu comme ça. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui reviennent la voir, parce qu'il y a apparemment eu aussi un enjeu autour du village ici, que cette église, elle soit, on va dire, sacrifiée pour le lac. Et là, en fait, il y a quand même pas mal de gens qui viennent la visiter, qu'on a vu. Et en fait, c'est assez impressionnant, parce que c'est une église très vieille qui tient encore, même s'il a été sous l'eau pendant des années. Et tu vois, en fait, là, comme ça tient encore à quelques peu de pierres, et même là, on va dire, sur le côté, c'est complètement troué. Mais c'est impressionnant, ça tient encore. Bon, je ne vais pas rentrer dedans. Hein, mais bon. Non, c'est impressionnant. Hein. Neus, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est un travail qui prend du temps. Hein, ça. Alors finalement, ces fameux herbes qu'on a reçues là ce jour passé,
Oui, tu peux faire du thé, mais en fait, c'est du thym. Comme il était tout frais, on sentait, mais j'ai jamais senti du thym frais, frais. J'étais toujours un peu sec, tu vois. Et là, dès qu'il est sec, ça sent tout de suite, c'est du thym. Et donc, du coup, en fait, il faut un peu enlever les branches. Et du coup, on va pas faire du thé, mais on va l'utiliser pour la cuisine. Parce que c'est vrai, je cherchais du thym dans le magasin, j'ai pas trouvé. Donc, du coup, là, on a du thym tout frais, regarde. Il fait un peu de vent, donc... Ouais, j'ai un peu peur aussi, on va rentrer. Il va voler. Ce serait dommage de se faire que tout ce beau thym, il va se faire envoler. Et en plus, il commence un peu à avoir 2-3 gouttes. Mais j'aime bien ce type de travail un peu... Manuel. Manuel et méditatif, tu vois. C'est vraiment, là, c'est vraiment quand tu enlèves les petites branches, mais tu pourrais faire ça pendant des heures. Mais tu vois, c'est là où tu te rends compte. Quand tu as le temps, tu peux faire ça pendant des heures. Quand tu n'as pas des choses qui t'attendent, mais là, il n'y a rien qui m'attend. Donc, je peux faire des trucs comme ça. Je peux enlever les petites branches du thym qu'on a cueilli pendant des heures. Bon, je te connais d'ici 10 minutes, tu en as marre. Non, pas du tout. C'est comme éplucher les haricots. Bon, bye bye ce magnifique spot, c'était trop cool, c'était vraiment... C'était très calme, il y avait presque personne. Il y avait les couleurs de printemps avec tous ces verts jaunes, très joli vraiment. Ouais. Et là en fait on poursuit notre voyage vers le sud-est de l'Arménie, on va vers la direction du village Goris. Et on va voir ce qui va nous attendre là-bas. En fait, Goris, c'est une ville au sud-est de l'Arménie, dans la région de Syunik. Je laisse par là une carte. Et ce qu'on a remarqué tout de suite quand on est arrivé, c'est qu'il y avait une forte présence militaire, notamment russe. Et c'est une ville de 20 000 habitants. Mais en fait, elle est située seulement à 10 km de la frontière de l'Azerbaïdjan et à 30 km de l'autre Karabakh.
Et en plus, pendant les conflits militaires entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie en septembre 2022, c'est une ville qui a été attaquée, qui a été touchée. En fait, il y a encore des maisons détruites. Voilà, ça c'est Goris, un peu d'histoire. Mais là, on va passer au côté nature. Tachan. Et en fait, cette région, elle est très connue pour ses formations géologiques qui s'appellent cheminées des fées. En fait, tu vois là, je vais essayer de zoomer, mais ces formations géologiques qui ont l'air comme des grands colons sont faites de roches qui proviennent des dépôts volcaniques. Mais il y en a plusieurs dans la région, donc je pense qu'on va faire un petit tour aujourd'hui pour voir si on en voit plus. Mais pour arriver à ces cheminées des fées que je te disais avant, il faut traverser ces ponts. Et en plus, on va voir la ville troglodyte d'un nom imprononçable que j'arrive pas à dire. Yo. Tu as vu là, derrière? Et tu as vu là, en bas? Ça fait impression quand même, hein? Ouais. Et ça bouge. Et ça bouge pas mal, ouais. Ça bouge pas mal. Et en fait, on vient de passer un pont là, que tu viens de voir. C'est un pont de 120 mètres de long et il a été construit en 2012. Et en fait, il relie l'ancienne et le nouveau village. Donc le nouveau village a été construit dans les années 50. Et l'ancien village là où on va se promener, qui est justement ce village troglodyte, il a été construit il y a quelques centaines d'années. Il était encore habité jusque à la fin du 20e siècle. Non, au 19e siècle, voilà. Voilà, jusqu'à la fin de 1900, je ne sais pas combien. Et en fait, c'est un village qui a abrité quand même pas mal de personnes, je crois 2000 personnes ou plus, qui avait des écoles et qui était vraiment un village qui fonctionnait bien. Un vrai village. Un vrai village. Et à l'époque, c'était le plus grand village ou ville de la région de l'Est de l'Arménie. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a vu beaucoup d'habitations de troglodytes et on va sans doute en voir encore, mais c'est toujours fascinant comment ces villages ont été construits dans les rochers avec des grottes, des habitations. Et en fait, là, on les voit vides, mais je m'imagine ça tellement passionnant quand c'était encore vivant et que les gens vivaient dedans, qu'il y avait des échelles qui montaient, etc. Donc ça a dû être un truc assez fou. Et celles-ci, en plus, elles sont dans des touffes volcaniques. Elles sont creusées dans des touffes volcaniques. C'est les cheminées des fées, que c'est des formations géologiques qui se forment avec les dépôts volcaniques. Ouais. Voilà. Et apparemment, cette forme un peu de cheminée, est un peu semblable à ceux de la Cappadoce qui sont très connus. Donc peut-être que c'est une formation assez semblable. D'ailleurs, le nom du village... Godnorchuk, c'est compliqué, on te le mettra ici. Mais en tout cas, ça veut dire, apparemment, il y a deux théories. Une, ça veut dire pomme, qui fait un peu ressemblance à ces formations de pierre. Et l'autre, ça veut dire gorge profonde, qui fait référence au canyon qu'on vient de passer. En gros, avec ces habitations troglodytes, ce qui est cool, si un jour tu te réveilles et tu dis « En fait, mon appartement il est pas assez grand », tu prends le marteau et tu creuses. Et donc du coup, tu David, fais un appartement plus grand. Tu as dit n'importe quoi. Non, mais c'est ça. Donc voilà, on va reprendre la route. On quitte cette site troglodyte. Et il faut dire que ça fait un bruit très bizarre, cette pont. Mais on arrive déjà à la fin.